I will go when I have an answer. I won't go after I have an answer. Alors, est-ce que c'est after ici? Until. Until, ouais. Bien corrigé. Until. I won't go until I have an answer. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont trompés de temps? Est-ce que vous avez juste mis I have an answer? Le présent. Ah. It was the first time I've been in a plane. I have been or I had been? I have been.
fait, ça fait deux cours quand même. Oui, ben c'est pas grave. Vous avez le droit de faire les exercices quand même. Please go ahead and turn to the left for Australia. Ça, je sais pas vraiment. Les autres, quel lequel on devait utiliser? When? When. Et donc c'est quoi, she will go on when, et ensuite elle dit quel temps? Ok, alors c'est pas difficile. Donc en fait la structure ici c'est, qu'est-ce qu'on a dans la principale? She will go
exemples préférés. Donc, des exemples, pour en mettre des exemples pour savoir la demande. Comes. When she has,
C'est du futur antérieur parce que c'est elle aura eu quelque chose à manger. Ça, elle aura eu quelque chose à manger, c'est du futur antérieur, mais si on dit juste she has something to eat, ça serait du présent en fait. Avec une valeur de futur, mais dans cette phrase, ça ne fonctionne pas parce que c'est déjà une action qui est passée en fait. Elle doit d'abord manger pour pouvoir rentrer chez elle. Donc toujours en gardant tout ça en tête, on va continuer l'exercice suivant. C'est un petit peu la même chose d'abord, hein. C'était savoir utiliser what, as long, until, etc. Mais aussi en mettant le bon temps dans la phrase. Est-ce que vous pouvez proposer qu'on la phrase 1 Exercice 5. When he passes his exam to be fully passed for the job. Super, oui. Donc pourquoi vous avez mis passes? Parce qu'il y a le futur dans la principale. Ouais, parce qu'il y a le futur dans la principale. Ok, donc tout le monde a vu ça. It will be qualified, c'est du futur. Donc après, j'ai passé au présent. On continue la phrase 2. Pourquoi vous mettez du continu? C'est pas une action qui dure. Vous aviez le bon temps, mais c'est pas en continu. Qu'est-ce qu'on attend ici, tout simplement? Oui, le présent. As long as you stay with them, you will get an opportunity for a new job. Ok, on repasse la prochaine phrase. He said he would stay till I arrived. Oui, donc he would stay, donc ensuite Frédéric arrive. Ok, il va falloir l'apprendre par cœur, mais après c'est juste j'ai ça, j'avais quoi, mais il est censé être mis. Donc il vous présente Frédéric. On continue phrase 4. I didn't see anything like it yet. Non. Bah, tout le monde n'était pas là au cours dernier, mais au cours dernier, on a fait justement tout ça. On a fait les temps, on a fait avec quel. Quels étaient les petits indices et avec yet, on met quoi? Le. Oui, le present perfect. C'est toujours, toujours, toujours le cas. Il n'y a pas d'exception. Si j'ai yet, enfin yes, j'ai du present perfect. Est-ce que vous pouvez vous corriger et nous donner la solution? Alors, I have seen anything like it yet. C'est I have seen. Mais est-ce que le temps, est-ce que la construction de la phrase est bonne? I have seen anything. Ça vous semble pas bizarre? Oui. I haven't seen. Ok. Attention, il faut que la phrase soit correcte. I haven't seen anything like it yet. I have never seen anything like it yet. I've never. Non, ce serait bon. C'est une autre forme. C'est pas quoi, pardon? C'est comme une question. Ça peut fonctionner là. Ça se pourrait. On continue, on a la phrase 5. I knew that. Super, donc on a would, has, donc c'est needed, super, facile. On est à la phrase 6 maintenant. On continue, phrase 6.
I was to go on, finish. Vous avez mis quoi, pardon, pour le... Finish. Du préterite? Ok. Finish, once I finish, parce qu'il y a des gens qui ont mis autre chose. Oui, parce qu'ici, on peut utiliser les deux, d'accord. Vous pourriez penser finish, ou vous pourriez dire I finish. Les deux fonctionnent. La princesse? Don't stop, thank you. Alors, vous mettez quoi? Du préterite ici ou pas? J'ai pas bien entendu. Est-ce que c'est ça? Oui, derrière. Don't stop until you finish. Et là, vous avez mis quoi de but? Du présent. Ok, oui, du présent. Est-ce que vous avez mis autre chose? On aurait pu mettre du présent parfait, s'il vous plaît. Have finished, ça fonctionne aussi. Ok, on est à la phrase 8. He was, oui, parce qu'on a would get over it, ok, sur la deuxième partie de la phrase. Donc ici, le préféré was, phrase 9. What will you do it? As soon as you stop asking me. Super, as soon as you stop asking me. Oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou il y a des questions? Ça va à peu près? Ok, on est à l'exercice 6, rephrase. Et là, il fallait faire attention à ce que les verbes puissent être utilisés dans la durée. D'accord, si ce sont des verbes ponctuels, on ne peut pas les mettre pour qu'ils soient dans la durée. Donc, avec l'interactif, on peut utiliser soit le prénom, soit le present perfect. Oui, c'est perfect, oui. Ok. Non. Est-ce que vous voulez bien faire la phrase 1 après de l'exercice 6? They got married in July, they have been married since July. Oui, they have been married since July. Ok pour tout le monde? On continue donc la deuxième. Okay. I brought my core 1 and 2 together. It has been 2 weeks since I had broken my core 1. Intéressant. J'aurais pas fait ça comme ça. En fait, il aurait fallu commencer avec Marie-Claude. Vous arrivez à la replacer. She died in 1995. Oui. She's dead since 1995. Alors, she is dead? She was dead. Attention, on essaie d'exprimer des... Elle est morte à un moment et elle est toujours morte. Donc, c'est quel temps qu'on utilise? She died. Alors, le she died, vous avez bien fait de mettre le fait de dire qu'elle est morte, parce que tu die, c'est juste ponctuel. Donc ça, on doit changer le verbe, d'accord? Mais là, vous m'avez pas mis le bon temps, vous avez dit quoi? She is? J'ai mis she was dead, mais... Ok, mais si vous mettez she was dead, et ensuite vous avez dit quoi pour la fin de la phrase? Since. Oui,
Non, c'est pour refaire la phrase. J'ai mis she had been dead. She had been? Been dead. Est-ce que vous avez besoin du plus parfait? Pourquoi pas she has been? She has been, yes. She has been dead. On n'a pas d'autres actions antérieures dans cette phrase, n'est-ce pas? Juste qu'on essaie de trouver la durée qu'elle est morte à un moment. Il y a 1895, elle est toujours. Non, c'est pas le temps de faire. Elle est morte en 1895 et au moment où on parle, elle est toujours morte. C'est un peu bizarre, mais. Ok, mais c'est bien d'avoir pensé à utiliser un verbe qui pouvait prendre la durée. On continue avec la phrase 4. Je vais mettre dans la phrase 4. Alors, est-ce que mettre. C'est une action qui peut durer. Est-ce que ce ne serait pas comme die, on meurt ou on rencontre quelqu'un de façon très ponctuelle? D'accord? Est-ce que tout le monde voit ça? On ne peut pas dire qu'on se rencontre sur une période future. Qu'est-ce qu'on dit à la place? En anglais, il y a une structure pour dire ça. Quelqu'un y a pensé ou pas? With none done since Easter. With none done since Easter. To know someone or know someone since. Alors comme on va dire, on s'est rencontré. On peut pas lui mettre au. Exprimer la durée avec, parce que c'est un verbe ponctuel. Ok, il nous reste une demi-heure. À peu près prévu. Je ne vais pas donner trop de travail à la maison. On va travailler sur l'exercice 7. C'est donc des traductions. Mais c'est un petit peu le récapitulatif de tout ce qu'on a vu. D'accord, on a essayé de jongler avec les temps, on a essayé d'utiliser since, until, la concordance des temps, tout ça. Il va falloir être super attentif quand vous traduisez. D'accord, on prend, je ne sais pas, on va avoir pris sur 10 minutes pour voir combien de fois vous arrivez à traduire. Donc on traduit autant que possible les phrases de l'exercice 7. Ok, vous avez le droit de travailler à plusieurs si ça vous aide. Vous avez le droit de vous rapprocher de ceux qui sont seuls. Attention, la première phrase, c'est une question. Cette librairie existe depuis longtemps. Elle l'aura eu quelque chose à manger.
c'était pas à les poser, c'était pas bloqué sur les trois, mais pas ça. Le temps qui nous permet de dire que ça a commencé à un moment et qu'elle existe toujours. C'est le présent parfait. Essayez de rechercher sur Google et tout ça pour comment ça s'utilise, mais c'est vraiment le temps qui a été inventé en anglais qui n'existe pas en français pour faire un lien entre le, quelque chose qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Ok, donc c'est le présent parfait. Et attention, c'est une question, donc il faut former une question pour la traduction. Je vous remercie.
bloque dans la première. Je suis trompé sur le nom. Ah non, c'était bon, vous aviez juste un coup.
a long time. Okay. Est-ce que vous aviez mis ça à peu près ou pas? Vous avez la profité en fait de la faire cette phrase. Pour la faire du coup, on avait le choix entre here for a long time or there for a long. C'est deux options. Et par contre, pour le reste, has his bookshop. Et ça suffit en fait. Has been, ça nous traduirait quand vous voulez savoir. C'est bien que tout le monde ait pris quand même le temps d'y réfléchir, c'était une phrase assez compliquée. On passe à la deuxième phrase. Est-ce que quelqu'un peut bien proposer la traduction? La machine à vapeur a été rangée il y a 3 siècles. Donc, ce que j'ai vu, normalement, vous avez compris ici que c'est quelque chose qui est daté. Terminé, passé, etc. Okay. The steam machine was invented 3 centuries ago. Yeah, was invented 3 centuries ago. Oui. Ça fait un temps fou qu'il donne des concerts. Vous savez que je vais essayer de faire la 3. Oui. It's been a long time since it has been giving concert. Alors, it's been a long time. It's been a crazy long time. Regardez cette idée de temps fou. Et la deuxième partie, vous avez dit quoi? Since he has been giving concerts. Since he has been giving concerts. Oui, super. C'est vraiment ça qu'il fallait mettre. La quatrième phrase qui était un peu similaire, c'est que vous pouvez utiliser la négation. Et pour un peu comment vous pouvez traduire la négation, ce que quelqu'un vous proposait. Ça fait des années qu'elle ne donne plus de concerts. Oui. She hasn't given concerts for years. Alors, she hasn't. She haven't. Quoi? She haven't. Elle n'en donne plus, c'est terminé, c'est passé, n'est-ce pas? She hasn't. C'est pas du present perfect. Alors, pour essayer de comparer la 3 et la 4, on va commencer par ça fait des années. Comment vous avez traduit ça? It has been years. Ok, it's been years. Since she's not giving concerts. Ok, since she is not giving concerts, comment on pourrait mettre au lieu de not giving le verbe pour arrêter? She stopped. Super, she stopped. Giving concert, or she last gave a concert. Ok, vous avez les deux options. She last gave a concert, or she stopped giving concert. Ça marche? En fait, si on a le since, on ne peut pas avoir la négation. Ok, ça c'est quelque chose qui est très important. Ce qu'on dit là, c'est dans les pages du cours, hein, d'accord, avec l'utilisation de since, ago, yet, etc. Je vous rappelle que le cours, il fait quand même 5 pages ce chapitre. Donc, si j'ai since, je n'aurai pas de négation. Et souvent, en fait, ce que vous pouvez utiliser à la place, c'est last, plus Frédéric. D'accord? Pour vraiment que vous en souveniez et que vous y pensiez. Et si on a she has been for it's been, ici on aura une durée en réalité. C'est souligné en même temps pour les traductions. Je ne peux pas. It's been years since she last gave the concert, donc pour le last, or she stopped giving concert. Mais ne me mettez pas le present perfect, puisqu'elle a arrêté et ça fait des années qu'elle a arrêté, on voit. Que c'est daté. Phrase 5, les Beatles ont passé pas mal de temps en Inde dans les années 70. Est-ce que quelqu'un veut bien essayer la phrase 5? Oui. The Beatles have been there for a long time in the 70s.
passe parfait alors qu'on n'a pas d'autre verbe pour la phrase. En fait, on n'a pas une action antérieure à une action qui se trouverait dans le passé. Oui. Pour avoir du past perfect, il faudrait qu'on ait deux actions qui sont dans le passé, dont une qui est antérieure à l'autre. Ici, c'est juste une action datée, terminée, à un moment donné dans le passé, les Beatles étaient en Inde. Est-ce que vous pouvez corriger votre phrase en mettant le bon temps? Alors, the Beatles were in India in the 70s. On passait du temps, comment on traduit ça? C'est votre top des to be ici. Spent time. To spend time, oui. They spent quite some time. Quite some time in India in the 70s. Ok, il nous reste 3 minutes. On fait la 6 et on arrêtera là. La 6, vous pouvez le proposer? Le voisin est sorti de chez lui à 10 heures. Il a ouvert son garage et il est parti. Il avait l'air tout à fait normal. Okay. The neighbor left his house at 10 o'clock. Oui, super. The neighbor left his house at 10 o'clock. Il est parti. Ce n'est pas quelque chose qui a duré dans le temps. C'est très ponctuel et c'est terminé, oui. He opened his garage and then left. Super. He opened his garage and left or then left. He looked absolutely normal. Ok, il look absolutely normal, il look quite normal, on pourrait dire quite normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis autre chose que look? He seemed fine, ok, or he seemed normal, he seemed fine. Ça marche. Ok, parce qu'on va faire 5 grosses minutes de pause, on va s'arrêter là. Pour la semaine prochaine, on commence les modos. Donc on arrête avec les temps. Et tout ça, on va commencer une des parties, bon après les temps, c'est quelque chose qui est aussi compliqué que jongler avec les temps. Donc en fait, à partir de maintenant et jusqu'à la fin du semestre, c'est-à-dire, il nous reste 3 cours. Donc on va consacrer 2 cours au modo et 1 cours à des révisions. Ok, donc c'est à peu près ça que j'ai prévu, sauf si bon, les modos nous prennent plus de temps. Que je vous invite à faire, c'est lire le cours sur les modos attentivement. Il est très long, mais oui, lisez-le en entier en fait, c'est quelque chose de complet. Et de faire, alors, page 28, il y a un exercice qui est très court dans la lecture en fait. Si vous regardez, si tout le monde regarde, il y a 5 phrases à compléter. Donc s'il vous plaît, faites l'exercice sur must et have to. Et ensuite, si vous continuez à tourner, en fait, ils ne sont pas numérotés, c'est ça qui est tout mal. Ensuite, on est page 32. Oui, c'est ça, ils ne sont pas numérotés. Donc, page 32, il y a marqué exercice en gros. Et là, il faudrait faire celui qui parle de using would rather. Et celui d'après qui parle de using had better. Ok, donc on a tout de suite. Enfin, à chaque fois, c'est 10 et 5 phrases. C'est bon, on a un exercice page 28, un exercice page 32, l'autre page 33. Oui. Vous avez pas les mêmes pages? Non, pas du tout. est-ce que tout le monde a les mêmes pages à part vous?
Donc là, on est au texte 5, ça veut dire que le 26 novembre, on fait le texte 6, le 3 décembre, le texte 7, le 10 décembre, le texte 8. Donc le 26 parle de... la semaine prochaine, on fait le texte à traduire là, pour la semaine prochaine. Le 3, c'est mieux de le faire. Au niveau des exercices sur les photos, il n'y en a pas énormément. Comme tu veux, tu dois focaliser. Quoi. D'autres exercices en plus, et on va essayer de travailler au mieux, parce que des fois, c'est quelque chose qui pose problème. Je ne sais pas pour que ça soit mieux. Vous savez quand c'est un examen ? Toujours pas. Yeah.
le texte, c'était le texte 5. Il était pas simple pour certaines notions. Hein, c'était un peu étrange, ça parle de quelque chose qui est un peu. Qu'on ne connaît pas forcément. Hein, moi, je sais même pas, je suis en train de chercher. Je ne connais pas non plus. Hein. Et c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière, hein, que le titre, justement, il faut essayer de s'y remettre après pour essayer de traduire au mieux. Parce que bah, des fois, c'est pas facile quand on commence. Okay, on y va. On a perdu deux personnes, on est de moins en moins dans cette salle. Donc, c'était In California, millions of shables to combat blood. Est-ce que quelqu'un veut proposer une traduction pour ce titre? Oui. En Californie, des millions de boulons pour lutter contre la sécheresse. Ok, oui, ça marche. En Californie, des millions de boules d'ombre pour lutter contre la sécheresse. Est-ce que quelqu'un propose autre chose que boules d'ombre? Balles noires. Des balles noires. Pourquoi pas, oui. J'ai pensé là, c'était chez Paul. Parce qu'il y avait un millionnaire. Donc, Ah, de laisser chez Paul? Oui, si vous gardez les guillemets. Mais bon, on pourrait vraiment faire. Des traductions que là, on propose boules noires ou boules d'ombre, ça vous le fait. Ok, mais ça pouvait être une solution. Il y a quelqu'un qui a mis autre chose comme traduction? On pourrait dire boule à ombre. Si vous ne vouliez pas mettre boule d'ombre, ça fonctionne aussi. Ok. Qui prend la première phase? On va dire qu'on va la couper jusqu'à. Et pleine. Jusqu'aux deux points. Quelqu'un veut bien proposer pour la première phrase? Passer à une crise d'eau à long terme, responsable par la condamnation de réservoirs de Los Angeles à la gouvernement. Alors, une crise d'eau, est-ce qu'on parle de crise d'eau? C'est quoi le mot en français pour une crise d'eau, justement? Une crise d'approvisionnement en eau des corps, ça passe un peu mieux que crise d'eau, mais c'est quoi le. Il y a vraiment un terme en français? Quand on manque d'eau, il y a une pénurie. Alors, vous avez mis quoi au tout début comme verbe? Passe à une pénurie d'eau. Ok. Vous pourriez juste répéter pour la suite? À long terme. Ok, à long terme, très bien. Le responsable concerné par la préservation de l'avoir de Los Angeles en élaborant un plan. Alors, on élaborait un plan, on conçut un plan, oui, ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis autre chose que plan? Oui? Une stratégie? Une stratégie, pourquoi pas, on peut penser à dispositif aussi. Pardon? C'est page 15. C'est le texte 5. On pouvait dire un dispositif, un plan, une stratégie, pourquoi pas. Vous avez dit comment pour officials? Responsables. Ok, les responsables, est-ce qu'il y a des gens qui ont dit autre chose? Oui. Les dirigeants. Les dirigeants, ok. On aurait pensé aux autorités aussi, les autorités. D'accord. Et vous avez dit en charge du réservoir, c'est ça? En charge de. Alors, conservé par la préservation, ça marche. Est-ce qu'il y a des gens qui ont proposé autre chose? Oui. Soucieux de préserver un réservoir. Soucieux de préserver un réservoir, c'est super, oui. On est bon pour cette partie de la phrase. Est-ce que quelqu'un prend la suite après les deux points? Oui. Je souhaite combattre 4 ans de sécheresse avec 14 millions de réservoirs. Alors, il souhaite combattre. Est-ce qu'il souhaite combattre? Est-ce qu'il y a cette idée-là? They would, pardon. Ils vont combattre, ok.
4 années. 4 années. 4 années de sécheresse. Et le avec, on pourrait dire quoi? En français, il y a quand même mieux que avec. Grâce. Ouais, grâce à 87 millions. On pourrait dire pas. Non. Ballon plastique, est-ce que vous avez mis autre chose? Boule en plastique, ça marche. Et si vous aviez pensé à caoutchouc, ça aurait été accepté aussi, d'accord? Mais le plastique, c'était bon, c'était la bonne. On aurait dû penser à lutter contre, aussi, en tout début de pour le... Oui, combat, on aurait dû lutter ici. Ok, on commence la seconde phrase. Je vais faire le bien proposé un Monday jusqu'à... Jusqu'à la fin, elle est quand même assez courte, oui. Le maire de la communauté, Éric Capiti, de Los Angeles, on lui dit ok. Est-ce que c'est ce lundi? Non. C'est lundi. Alors, lundi, tout court, ça marche? Et qu'est-ce qui est sous-entendu en fait? On parle de quel lundi? Ça c'est déjà produit ou pas? Non, c'est dans le futur. Bah, regardez les temps en fait, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est au passé ça. Oui, c'est déjà passé. Donc, lundi passé. En français, on aurait pu très bien penser à lundi dernier. C'est pour ça que je voulais dire ça. Donc, c'est au lundi du coup, mais c'est pas ce lundi, parce que ce lundi, ça veut dire que ça ne s'est pas produit ou que ça va se produire. Lundi ou lundi dernier, ok, après pour la suite, s'il vous plaît. Le maire de Los Angeles, Eric Cassidy. Ok, le maire de Los Angeles, Eric Cassidy. Ça marche. Arrive, vous m'avez dit quoi? Est arrivé. Alors, est arrivé. Ok, est-ce qu'on pouvait faire mieux? Est apparu. Est apparu, ça fait un peu spectacle. Hein. Se rendre, c'est rendu. Est arrivé, ça fonctionne. Hein. C'est ce que je disais la semaine dernière. J'essaie juste de vous proposer pour que vous ayez du vocabulaire pour pouvoir changer, pour pouvoir améliorer votre structure. Donc, c'est rendu. Et alors, il s'est rendu où, Arthur? Oui, alors, qu'est-ce que c'est un problème? Pas traduire 175. Alors, combien fait 1 acre? Est-ce que quelqu'un sait? Vous avez regardé? Oui. Il faut traduire les mesures, il faut convertir les mesures parce que ça ne veut rien dire en français. C'est 4. C'est 4. Alors, c'est 0.4. Donc, 40 hectares en C, ou sinon, du coup, c'est 4046,86 mètres carrés. Bon, je vote pour le 0,4 hectares. Donc, ça fait à peu près 70 hectares, hein, je ne vois pas, quand on fait les maths. Tant qu'on est dans ça, il y avait autre chose à traduire. Combien fait un gallon? Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé? Parce que ça, c'est pareil, il fallait traduire. Je sais pas, mais c'est 1,363 millions de litres ou on avait dit 300 millions de gallons. Ok, c'est bien d'avoir regardé. Du coup, un gallon, c'est 3,8 litres. Et juste pour la route, parce que l'on ne sait jamais, combien fait un mile? 1,6 km. Ok, ça juste à savoir au cas où. Hein. Il faut pouvoir traduire si vous. Bon, déjà, si vous ne vous souvenez pas, vous proposez quelque chose, mais dans la bonne mesure, d'accord? Ne laissez pas. C'était quoi? C'était 175. Et vous ne pouvez pas me laisser ça en fait.
Donc il faut penser à le mettre des mètres carrés ou des hectares ici, même si la boîte de conversion n'est pas bonne, d'accord. On n'est pas là pour faire des maths, mais avoir un texte qui peut parler à des Français. Donc c'est rendu à ce réservoir de 70 hectares. Pour y faire quoi? Pour y déverser 20 000 petites balles noires qui flotteront sur l'eau. Ok, il y a quelqu'un qui propose autre chose. Ça, ça fonctionne. Mais on perd un petit peu de l'idée des balles noires parce qu'il manque pas un petit peu quelque chose. On a small black orbs. Tu veux dire orbs? Une orbe. Une orbe. J'entends pas. C'est comme une sphère. Oui, c'est exactement une sphère. Du coup, on pourrait parler de petites sphères. Et là, pour remettre le noir, on a vu tout à l'heure qu'elles étaient de quelle matière ces sphères. Voilà. Donc, on pourrait parler de petites sphères en plastique noir. Si on voulait vraiment pour les pas qui est marqué. Moi j'aurais aussi proposé pouvoir flotter à la surface de l'eau ou sur l'eau. D'accord, vous avez les deux options, sur l'eau ou à la surface de l'eau. Oui. Est-ce que ça se dit au-dessus de l'eau ou ça fait pas français? Au-dessus de l'eau, c'est pas français. Enfin c'est oui, c'est trop calqué en fait, ça vient vraiment de l'anglais là. C'est pour ça, donc à la surface ou sur l'eau, mais pas au-dessus de l'eau. Ok, donc là on est bon pour cette phrase. Qui prend la prochaine jusqu'à. Bah, la prochaine c'est pareil, elle n'est pas si longue. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre la prochaine phrase? Jusqu'à save. Allez-y. Alors, est-ce que c'est du présent ici? Non, c'est du passé. Passé, donc a déclaré que ces boules devraient aider à bloquer. On parle de deux choses, ça bloque deux choses. La lumière. Alors, la lumière du soleil, les rayons du soleil et les UV, les rayons UV, vous avez plusieurs solutions ici. Mais ok, oui, c'est vraiment pas mal. Et il vous manque juste une petite partie en fait. Qu'est-ce qu'ils font ces rayons UV et pourquoi on veut mettre ces balles noires? Pour combattre, oui, pourquoi pas? Ok, c'est quoi selon vous? C'est transparent, oui. Qu'est-ce que c'est? Des algues. Donc ça serait qui va combattre le développement d'algues. Ok. Est-ce que quelqu'un a gardé l'ordre de la phrase en anglais et peut essayer de proposer comme ça? Je suis sûre qu'il y a plus de gens qui ont gardé l'ordre, donc on aura une deuxième proposition. Oui. Monsieur Lartien qui a dit que ces boules-là aideraient à bloquer la lumière du soleil et les rayons UV. Qui parlait de la croissance d'algues, ce qui va permettre de protéger le potable de la vie. Super, oui. Donc, boule ou balle de couleur sombre aussi. On pourrait, si on veut vraiment se rapprocher de l'idée, boule ou balle de couleur sombre. Et si le temps était mieux, d'accord, c'était. Vous avez mis quoi juste après? Aide de rêve. Aide
Vous avez parlé de la croissance d'algues, on peut mettre du développement. On parle du développement d'une plante, de la croissance d'une plante, ça fonctionne. Ce qui aidera à. Ce qui permettrait de protéger le plan de l'algue. Ok. Préserver, c'est mieux pour préserver l'eau potable, mais sinon, ce serait. Ça fait un peu, on dirait qu'on va venir nous voler dans le hein, ça se sent un peu, on dirait qu'on va se faire attaquer alors que là, c'est pas tout à fait ça quand même. Ok, bah pour le moment, ce texte un peu étrange, vous l'avez pas trop mal traduit, je trouve. Qui veut bien prendre la phrase suivante? Ne me regardez pas. Official also said. Il est responsable également déclaré que le groupe aiderait à ralentir le taux d'évaporation qui déraine l'approvisionnement en eau d'environ 300 millions de gallons par an. Alors, le début c'était très bien. Donc, les responsables, ici on peut remettre les mêmes termes. Si vous avez mis dirigeants, vous mettez dirigeants, les autorités. Vous m'avez mis du passé composé, c'était bon pour le temps que les balles ou que les boules. Alors, qu'est-ce qu'elles permettent? À ralentir le développement. Ok, à ralentir le phénomène, par exemple, phénomène d'évaporation ou le taux d'évaporation, c'est un petit peu moins bien, mais pourquoi pas. Et là, il fallait comprendre quoi en fait? L'évaporation, ça entraîne quoi? Ça provoque quoi? Ok, la sécheresse, mais. Enfin, pour se rester dans le texte, en fait, qui entraîne chaque année. Voilà, en fait, on perd de l'eau chaque année, d'accord? Ça s'évapore, donc on perd de l'eau, et donc ils veulent bloquer ça. Donc là, c'était 1,15 milliard de litres, si on passe en litres et plus en gallons. Pour la fin, vous avez mis par an. Par an. Ok, est-ce qu'on a autre chose que par an qui fonctionne mieux? En un an, ouais, pourquoi pas. Le fait que ça soit répétitif. Tous les ans, d'accord. Par an, par année, c'est la même. Année, c'est mieux, mais le fait que ça se répète quand même. Non, c'est par année. Chaque année, c'est le mieux. Là. Qui entraîne chaque année la perte d'environ 1,4 milliard de litres, par exemple. Les autorités ont également affirmé ou déclaré que les balles ou les boules permettraient de limiter le phénomène d'évaporation qui entraîne chaque année la perte d'environ 1,5 milliard de litres. Ok ? Est-ce que quelqu'un prend la suite ? On parle du prix de ces balles, boules. Si on coûte 0,36 euros chacune, et ça fait partie de l'environ, c'est parti des 34,5 millions de dollars, l'initiative pour protéger l'eau. Mais au début c'est vraiment bien. Donc ces balles, c'est très bien de remettre ces balles puisqu'on en a déjà parlé. Ces balles coûtent, vous avez mis quoi pour chacune de 0,36 On parle de quelle monnaie? Dollar. Ok, donc 0,36 dollars. Les balles coûtent 0,36 dollars chacune. Et alors ensuite, comment on en rapport au 34,5 million initiative. Comment on traduit tout ça en fait? C'est quoi? C'est des banques. Les banques qui font partie de en fait, oui, voilà, alors ça fait quoi? Il fallait comprendre quoi? C'est quoi ces 34,5 millions de dollars? Les banques représentent le 34,5 millions de dollars. C'est des banques? Non.
d'un investissement. J'imagine qu'on pourrait comprendre ça. En fait, ils ont un budget de 34,5 et dans ce budget, ils peuvent dépenser 0,36$ par balle. Donc en fait, c'est pas un coût de 0,36$ chacune et font partie d'un dispositif ou d'un programme à 34,5 millions de dollars. D'une initiative. Ok, bon, une initiative. Initiative, ça parle pas trop en français. Si on dit une initiative, c'est pas très parlant. Si vous mettez programme, on voit très bien que c'est quelque chose qui a été créé pour préserver le réservoir ou pour ces questions de, d'eau potable, tout ça. D'ailleurs, comment on. Donc, le To Protect the Water Supply, qu'est-ce que vous avez mis? Donc, l'objectif est de protéger les. Alors, pour, dans l'objectif est de protéger pardon, les ressources d'eau, ok? Mieux que ça. Déjà, protéger quand c'est à préserver. À chaque fois qu'on parle de l'eau, ou qu'on parle d'une ressource naturelle, par exemple, on préserve, hein, d'accord? On préserve la nature, on préserve nos forêts, on les protège pas. Oui? Alors, afin de préserver l'eau stockée, mais c'est pareil, vous avez l'idée, mais c'est comment ça s'appelle en français? Oui, le mot qu'on cherche, c'est les réserves d'eau. Ok, tous les barrages, tout ça, ce sont des réserves d'eau. Sinon, vous pouvez parler bah, de l'eau potable au final, hein, parce que c'était ce dont on parlait, oui. Si on a de nouveau pour participer à l'investissement de 34,5 milliards de dollars. 34,5 millions de dollars. Millions de dollars. Oui. On continue. Il nous reste. On fait la, est-ce que quelqu'un peut faire la prochaine phrase jusqu'à 3 weeks? Ça coupe la dernière phrase en deux. Quelqu'un veut bien essayer de proposer quelque chose? Oui. Les autorités ont déclaré que le réservoir de Los Angeles. Oui, donc 12,5 milliards. Ok. 12,5 milliards de litres d'eau. Ou suffisamment d'eau pour approvisionner la ville pour un maximum de 3 semaines. Maximum de 3 semaines. Ok. Le début, c'était très bien. Vous voulez bien relire? Et les autorités ont déclaré que le réservoir de Los Angeles, qui contient 2,5 milliards de litres d'eau. Ok, donc ça c'est très bien. On pourrait. Alors, moi j'ai un environ. Donc, les autorités ont déclaré, ont précisé que le réservoir de Los Angeles, qui contient 12,5 milliards de litres, c'est-à-dire que suffisamment d'eau pour approvisionner la ville pour un maximum de 3 semaines. Alors, pour un maximum de 3 semaines, c'est pas tout à fait ça. Pour un maximum, comment on dirait? Jusqu'à 3 semaines. Oui, c'est pendant qu'on a commencé. Jusqu'à 3 semaines, c'est bizarre, monsieur. Ok. Pendant 3 semaines. Pour alimenter la ville pendant 3 semaines. Et. Juste, je reviens, vous avez mis quoi entre. Juste après litre d'eau? Avant, j'avais mis où, mais c'est-à-dire. Alors, où, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose autre chose? Quand on dit une quantité et qu'ensuite on dit ça va nous permettre de faire ça, c'est quoi le mot en français? Soit. Ouais, super, c'est qui l'a dit? Oui, c'est ça, soit. Donc là, on a nos litres. Soit, nanana, pour la quantité, soit une quantité d'eau suffisante pour alimenter la ville pendant 3 semaines. Ok, mais ouais, il fallait penser à soit aussi. C'était vraiment bien. C'est-à-dire, ça fonctionne aussi. Hein. C'est le but d'ailleurs des deux que vous avez proposé. Ok, on termine avec la dernière phrase. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien proposer? Enfin, on en a parlé deux fois. Quelqu'un veut bien finir cette phrase, on trouverait une dernière personne pour la dernière phrase. Join the field.
poser. Les zones aux alentours. Donc finalement, ce texte, j'ai trouvé que vous l'avez plutôt bien traduit. Hein.
pattes noires, des boules blanches, des pattes blanches. Ok. Moi, c'est pas mal de temps. On veut qu'on prenne du temps pour commencer à corriger un autre texte en quatre pages. Pas corriger, mais pour commencer à travailler sur l'autre texte. La semaine prochaine, on fait le texte 6. Et peut-être que pour le... Est-ce que certains d'entre vous seraient intéressés à m'envoyer leur traduction du texte 7? On va donc faire le 3 décembre, le texte 7. Est-ce que ce serait possible que certains d'entre vous m'envoient leur texte, je ne sais pas, entre fin novembre et le 2 décembre? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde a mon adresse mail? Oui, j'imagine. Non. Bah, vous me cherchez sur le MT, après j'aurai trouvé mon nom, je ne sais pas, mais... Madame Dalin, DA2LINGES. Donc oui, ça serait bien parce que comme ça, je vais pouvoir faire une correction différente. Je vais essayer de compiler un peu ce que vous avez proposé en commentaire, d'accord? Donc le tout, c'est pas de rien. Quelque chose sur lequel vous avez passé 6 heures, ça sert à rien. Vous le faites comme si vous le faisiez d'habitude et juste vous me l'envoyez. Et je pourrais compiler un petit peu et on pourra discuter. Bon, il y en a qui ont fait ça, il y en a qui ont fait ça, qu'est-ce qui serait mieux? Un peu ce qu'on fait là, mais j'aurai en visuel ce que vous avez proposé en fait. Ok? Donc entre, je sais pas, entre le 28 novembre et le 2 décembre, que je puisse les lire, parce que si je peux pas les lire avant de venir en salle, de place, ça sert à rien, d'accord? Et donc ouais, le texte 7, si vous pensez à faire ça, ça serait vraiment bien. Il est 5, on prend 20 minutes, ensuite je vous laisse partir, mais 20 minutes pour essayer de travailler ensemble sur le texte 6, d'accord? Vous pouvez travailler à plusieurs. Commencez de toute façon, c'est des devoirs pour la semaine prochaine, d'accord? Je vais passer un peu pour voir ce que vous avez à proposer. Déjà, lisez le texte, essayez de le comprendre. Ouais. Les textes ils sont quand même assez courts maintenant sur les derniers qu'on va faire, donc on va avoir ce temps de discussion, on va pouvoir vraiment comparer un petit peu ce que vous avez fait si vous m'envoyez vos textes. Madame, oui. Est-ce que je peux aller? Le texte il est beaucoup plus concret, d'accord, c'est du vocabulaire passé, enfin c'est des problématiques contenues, hein, d'accord, c'est des choses qui sont... Bon, vous avez dû entendre parler de cette...
Alors, au niveau du titre, du gaspillage de nourriture, on parle beaucoup de gaspillage alimentaire. Et le prêt, là, prêt des supermarchés, c'est super bizarre. Vous pensez à quoi quand vous marquez prêt? Juste là. C'est pas plutôt au supermarché ou des supermarchés? Dans les supermarchés, en fait. Ok. D'accord. Ouais, c'est ça l'idée. Bonjour. D'accord. Est-ce que par hasard vous auriez une... J'ai une clé, oui. Alors cette semaine, dans un de mes cours, ma montre s'est arrêtée. Donc j'ai gardé mes étudiants un peu plus longtemps et j'étais là, non mais on va corriger. Et ils m'ont dit, mais non madame, c'est fini. Moi, j'étais là, ah bon. Et là j'ai cru qu'elle allait nous dire, vous êtes en retard, sortez d'ici. Je me suis dit que c'était encore ma montre. Alors j'étais perdue, la France est devenue le premier interdit de l'abandon de la terre. Ok, de toute façon elle peut s'en faire. Ça a fonctionné? Non. Ah bon. On a envie d'être comme moi, puis avoir une clé ordinaire en fait. Ok, bon. Ça, merci quand même. Désolée. Bon après-midi. Merci. Bon courage surtout. Ok, ça marche. C'est bien. Normalement, c'est un texte. Enfin, comme je le disais, hein, vous allez. Enfin, si vous avez un petit peu suivi l'actualité, il y a les notions qui vont vous venir et le vocabulaire français, il va vraiment revenir assez bien. Thank you.
garder la notion de pauvreté, d'accord, hein, ça sera accepté. C'était pour vous parler de anti-pauvreté, mais vous avez déjà. Oui, voilà. C'est ce qu'il fallait faire. Limiter anti-pauvreté. Ouais, super, ça marche.
Au revoir. Au revoir, bon week-end. Merci à vous aussi. Le prof nous a laissé sortir plus tôt. Ah les gars, c'est bon. Il y a des bus parce que moi, frère, je sais pas si je vais aller. Oh Ralem, rejoins-moi salon. Vas-y, rejoins-moi salon. Je vais prendre le bus à 15h, tu me rejoins salon.